Bonjour André. Bonjour Kader. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette interview. Donc, on va commencer d'abord par tes débuts. André, tu es né au Brésil le 6 février 1988. C'est ça. À Bento Gonçalves, si je prononce bien, dans le sud du Brésil. Peux-tu me parler un peu de ton enfance et tes débuts dans le football? Oui, je suis né au Brésil, j'ai grandi au Brésil, j'ai vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai eu une enfance très correcte, j'ai envie de dire, même si l'endroit où j'habite au Brésil, où j'habitais, c'est un endroit, les fameux favelas, comme vous connaissez ici. Ouais. Malgré ça, ma famille a toujours mis tout à ma disposition, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de ma formation, que ce soit dans mon éducation. Donc, j'ai vécu une enfance saine avec mes copains, des copains qui, pas mal d'entre eux, j'ai perdu avec des circonstances de la vie, les côtés négatifs du Brésil, on va dire. Peu de monde connaît ici, mais qui malheureusement, c'est la vérité. Donc oui, mon enfance heureuse et accomplie, quoi. Ok. Et le foot, alors, tu commences dans ton quartier, à jouer dans un club? Oui, dans les rues. Hein, ouais. La famille, déjà, j'avais des cousins, des oncles qui jouaient au foot. Un cousin un peu éloigné qui arrivait quand même au niveau de l'équipe nationale brésilienne. Et arriver en Europe au niveau du foot. Et puis, que ce soit les grands-parents, les oncles, etc., qui ont toujours été au niveau du foot. Donc, depuis que je m'y connais, tout petit, à la maison, c'était avec un ballon. À l'école, c'était avec un ballon. Rentrer de l'école, c'était aller dans la rue jouer au ballon. Ouais. C'est pas comme ici, au Brésil, où au niveau de la formation, il y a des centres de formation où on suit... Une certaine méthodologie de la plus jeune âge jusqu'au niveau professionnel. Brésil, c'est très grand, donc des centres de formation comme ça, c'est... Moi, personnellement, les plus proches de la maison, c'était à 2 heures en voiture, donc la formation foot, etc., c'était dans la rue avec les copains, et ensuite au mini-foot, la plus jeune âge, et ensuite j'ai passé au niveau de foot à 11, un âge un peu plus avancé, à l'âge de 13-14 ans, quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Je sais qu'au Brésil, le football est considéré comme une religion. Tu penses que c'est un mythe ou... Non, c'est la réalité, c'est la vérité. Dès qu'il y en a un enfant qui est né et qui c'est un garçon, les premiers cadeaux, c'est un ballon. Il y a deux professions, on va dire, que les parents souhaitent. C'est soit joueur de foot ou soit musicien, okay. La samba. Ça, je ne savais pas. Donc, oui, ici, je viens d'avoir mon petit il y a 2 ans et mes amis au Brésil, la première des choses, c'est dès qu'ils ont su que c'était un garçon, ouais, ça va être footballeur. Donc, on va dire, c'est pas du tout faux ce que tu dis, c'est une religion, c'est une réalité. Ok. Pour la musique, j'apprends quelque chose en plus. Ah ouais, ça c'est... Quand on regarde des joueurs comme Ronaldinho, etc., ils deviennent déjà dans le bus, déjà dans les vestiaires, la musique, la samba. Un garçon qui joue au foot, qui n'aime pas la samba au Brésil, je pense pas que j'en connais. Donc c'est soit un ou soit l'autre. Okay. On est heureux comme ça. Et Ronaldinho qui a même enregistré... Ronaldinho, aujourd'hui, il a pas mal de projets au niveau de la musique. Il avait déjà, à l'époque, en tant que joueur déjà, et quand on voit les images à la Coupe du Monde, etc., l'équipe, quand elle arrive dans le vestiaire ou dans le bus, c'est cette alegria qu'on appelle, c'est ça qui met les joueurs à l'aise et qui ne se pose pas de questions. La samba fait en sorte que... Que la pression, on va dire, ne diminue. Ouais. Et même dans le jeu, hein. Dans le jeu, les gestes techniques. On ne pas dire que j'adhère. C'est ça. Après, c'est quelque chose qui est fort critiqué ici en Europe au niveau des joueurs brésiliens, parce que la majorité ne se pose pas de questions, ils font ce qu'ils veulent, ils expriment leur qualité technique. Mais en même temps, quand tu ne te poses pas trop de questions et qu'ils te montrent des choses techniques, ben, en même temps,
tu laisses la partie tactique aussi un peu de côté parce que tu ne donnes pas trop d'importance. Et c'est pour cela que pas mal de joueurs brésiliens échouent en Europe. Donc, il y a les côtés positifs, l'essence du foot brésilien, mais en même temps, il y a ces manquements où il faut juste trouver les bons équilibres entre les deux pour que ça la matche. Pour performer. OK. Et par rapport à ton parcours, je sais que tu as joué en Italie, en République tchèque, avant de jouer en Belgique. Comment tu as vécu ces expériences là-bas ? Au fait, j'ai été repéré au Brésil à l'âge de 16 ans dans un tournoi, non, dans les championnats régionaux, parce qu'au Brésil, on joue par région. Et il y avait des managers qui m'ont repéré. Ils ont fait une sélection dans tous les Brésils et nous ont amené dans un centre de formation, une académie plus ou moins 10 heures de voiture de chez moi, où le but c'était d'amener des joueurs en Europe, des joueurs qui avaient les qualités et qui la caractéristique pour venir jouer en Europe, avec un entraîneur italien, avec des passages dans des grands clubs en Italie, un formateur qui faisait sa sélection, la deuxième sélection. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Italie. À l'âge de 18 ans. J'ai commencé mon parcours pro à 17 ans au Brésil. Okay. Je suis arrivé en Italie par une invitation du club de 2e division Modena à l'époque. Modena. Et dans ces gros projets, il y a pas mal de joueurs qui sont venus. C'était des jeunes joueurs, même si j'avais 17 ans à l'époque. Il y avait les projets en soi, c'était des gamins de 14, 15, 16 ans. Et pas mal d'entre eux ont réussi avec une carrière en Italie notamment. Et on a les symboles de notre génération, de cette équipe, de ces groupes là-bas. C'est Jorginho qui aujourd'hui est à Chelsea. Donc moi je suis parti de l'Italie parce que j'avais pas ma double nationalité italienne. Et donc au niveau extra-communautaire, on va dire, là-bas, ça posait des problèmes. Au début, on croyait que je pourrais avoir la double assez facilement, mais c'était pas facile. Donc de là, j'ai rejoint la République tchèque justement pour, avec ce projet de 5 ans, avoir la double nationalité, parce que c'était un pays au niveau de l'Europe où c'était le plus facile et le plus vite. Oui. Et j'ai pu évoluer là-bas pendant 4 ans, 2 ans en première division, 2 ans en deuxième division. Ensuite, la loi a changé, etc. Donc, je n'ai pas su avoir mon passeport et j'ai décidé de partir. Et c'est là que j'ai rejoindre la Belgique, l'AFC Toulouse qui m'avait ouvert les portes en 2010. Ok. Super. Ça fait plus de 10 ans maintenant que tu joues en Belgique. Les débuts, tu m'as un peu expliqué là-bas. Et ici, comment ça s'est passé ? La transition a été facile par rapport à la République tchèque et à l'Italie où, Mais comme tout changement, on va dire, on est un peu dans la difficulté. Je suis parti du Brésil, je rigole avec des copains qui me disent « Comment est-ce que tu parles français ?» Quand je suis parti du Brésil, je ne parlais même pas portugais correctement, j'ai envie de dire. Donc je ne comprenais pas un mot d'anglais, pas les français. Donc la difficulté majeure, c'était au niveau de la langue. Si je reviens sur la République tchèque, ben c'était l'effroi. Ouais. Même si les conditions de travail sont excellentes au niveau interne, mais l'effroi, il est là. On doit être. L'Europe de l'Est. On est confronté à ça. Ici en Belgique, au début, c'était les Français. Même si je suis arrivé avec les mêmes managers italiens que j'avais à l'époque. Où j'avais vécu en Italie, je parlais constamment, j'avais appris l'italien, donc il y avait pas mal d'Italiens au niveau de l'équipe. Oui. Valter Bassejo à l'époque était arrivé, il y avait 3-4 autres joueurs qui parlaient italien au niveau du vestiaire, donc ça m'a beaucoup aidé au niveau de la communication. Mais la difficulté majeure quand je suis arrivé en Belgique, c'était la langue, c'était le français. Donc, que tu as très vite appris, quoi, parce que... Ton français, j'ai vraiment... connu ma femme aussi peu de temps après, oui. Auquel je suis marié, j'ai mon enfant aujourd'hui, et ça aussi m'a permis de pratiquer et d'évoluer plus vite qu'habituellement. Mm-hmm.
J'ai suivi des cours aussi, donc okay. Aujourd'hui j'ai envie de dire que je parle français, pas comme je voudrais, mais c'est plutôt pas mal. Plus que pas mal, ouais. Je te le confirme. Merci. Ouais. Merci. Et voilà, on va parler du LIRS, ton aventure en deuxième division. Comment tu peux... Oui, les LIRS, c'est arrivé grâce à Fred Van Der Beest. On a joué des petits... Je pense que j'avais joué contre lui quand je suis arrivé à Toubize. Ma première année au stand était en D2, en D2 belge à l'époque, la D1B qui maintenant a changé Challenge quelque chose. Je ne vois pas les noms. Ça a encore une fois été changé. Ensuite, nous avons joué contre moi en tant que joueur et lui en tant qu'entraîneur. Et je l'appréciais. Je savais que lui, il appréciait mon jeu. Et après 5 ans à Toubize, je devais partir à l'étranger, chose qui n'était pas faite. Et au LIRS, ils avaient besoin d'un joueur avec mon profil. Il m'a contacté. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Une très belle histoire d'ailleurs, parce que c'est un club que j'ai pris énormément de plaisir à jouer, avec des supporters fantastiques. Les cadres de travail, c'était excellent. Il y a un groupe de joueurs aussi formidable, je pense qu'à... À l'époque, on a démarré avec Fred. Ensuite, ça ne s'est pas très bien passé. Fred est parti. Et il y a Will Steele, qui était l'été 2, qui a repris l'équipe. Et qui est aujourd'hui à Charleroi Aujourd'hui, il est parti à Reims. Okay. C'est son frère qui est à Charleroi. Qui est à Charleroi, ouais. Oui, il était au Standard et maintenant il est parti à Reims, okay. En France. Et nous avons battu les records à l'époque avec 7 victoires de suite. On était à... très proche de cette finale pour aller monter en D1A. Et les clubs ont connu des problèmes à SC Sportive au niveau de la présidence. Et malheureusement, ça a fini un peu de façon négative avec la faillite du club. Mais c'est un très beau souvenir, une très belle expérience que j'ai gardée de la Belgique. Ouais. Ouais. OK. Et si on rebondit après sur la deuxième division, il y a Toubize. On ne peut pas oublier. On passe à Toubize. Ici en Belgique, au fait, j'ai fait 3 ans à Toubize, mes trois premières années à Toubize. Ensuite, je suis parti à Mons en deuxième division. Du Mons, j'ai retourné à Toubize, mais pas tout à fait les mêmes clubs parce que c'était avec les investisseurs coréens qui avaient développé quelque chose d'intéressant à professionnaliser les clubs. Ouais. Après Toubize, donc je suis parti au LIRS et ensuite je suis parti toujours en D1B à Roulers où j'ai fait les 2 dernières années en D1B. Quoi. Ok. Et aujourd'hui c'est Rebec quoi. Aujourd'hui je suis à Rebec, oui, un club qui se situe à 5 minutes de la maison, un club familial avec un président qui a fait les clubs monter, je pense, en même pas 15 ans. Ils ont passé de la deuxième division jusqu'à la D2 amateur. Un club qui est sain, qui a ses valeurs. Encore l'année passée, on a accroché les tours finales, mais malheureusement, les clubs y grandissent à sa vitesse, donc ils n'ont pas reçu la licence, mais il y avait cette possibilité de monter en D1 amateur. Donc voilà, c'est une toute autre chose que j'ai connue. Mais l'essence de foot, elle est toujours là et je suis content aussi de pouvoir connaître et remplir mon bagage, j'ai envie de dire, par rapport à ces projets d'après-carrière aussi dans les coachings, parce que à l'image d'un Felice Mazou, qui aujourd'hui c'est les coachs les plus connus ou les plus en vue au niveau de la Belgique, il a connu tous les échelons de niveau du foot belge, donc je trouve que c'est important. C'est qu'on voit au niveau de la Champions League, au niveau chaque week-end les grands matchs, c'est pas la vérité, c'est que 80% de footballeurs sont confrontés, donc c'est intéressant de connaître ça. Roberto Martinez fait un travail exceptionnel là-dedans parce que il a donné de l'importance au niveau du football amateur. Tout à fait. On a l'image. Thomas Meunier, c'est ça, il est passé dans les échelons comme ça. Donc, combien de Thomas Meunier sont à ce niveau-là et qui ne sont pas repérés,
on ne sait pas répondre, mais je pense qu'il y en a pas mal. Donc, il y a les hauts de la pyramide, mais c'est que ce n'est pas son bas, c'est ce qu'il y a de plus important. Okay. Là, avec ton expérience, quel conseil pourrais-tu, toi, donner aux jeunes aujourd'hui ou en général? Et je te laisserai après terminer par des conseils que tu pourrais donner en particulier aux gens qui ont joué à ton poste ou qui souhaitent jouer à ton poste. Des conseils, des bons conseils, je veux pas dire que ça existe pas, c'est pas ça, mais par rapport à mon expérience, je peux remarquer qu'il y a pas mal de joueurs qui ont eu plus de qualités que moi, qui n'ont pas réussi. Ouais. Les talents, il va jamais dépasser, il va jamais prendre le dessus sur le travail. Le travail, c'est que dans un domaine qui n'est pas bon, si tu travailles, tu deviendras bon. Ouais. Associer le travail avec la constance, c'est ça qui va t'amener au sommet. D'accord. Soit toi de la qualité ou tu n'as pas de la qualité, bien sûr, il faut un minimum de qualité. Mais je pense que être discipliné, travailler, être motivé, c'est la chose la plus importante pour réussir une carrière en tant que footballeur. On s'y plaint toujours, ouais, je ne reçois pas d'opportunité ou c'est pas juste. Mais pas mal de fois, l'opportunité, elle est là, mais quand elle s'y présente, on n'est pas prêt. À partir du moment qu'on lit cet travail, constance, discipline, on sera toujours prêt, quoi qu'il arrive. Concernant mon poste, j'étais formé au Brésil au fait, en tant que milieu terrain défensif. Quand je suis arrivé en Italie, j'étais décalé sous les côtés avec ma vitesse. Et quand je suis arrivé en Belgique, où j'ai eu le plus de possibilités, c'était au niveau de bac droit, parce qu'on avait un problème au niveau de l'équipe. Les coachs m'ont demandé de dépanner. Ouais. Et c'était une surprise très très positive. C'est là que j'ai fait la majorité de ma carrière. Donc il y a ces trois postes-là, mais il n'y a pas de secret. Les bagages techniques que tu vas avoir dans n'importe quel poste que tu vas évoluer, ça va te servir. Oui, oui. Donc déjà, ce qui va différer, ce qui va te faire sortir de l'eau, j'ai envie de dire, c'est pas une action où tu vas faire des choses incroyables et ensuite tu vas prendre 5 ballons et tu vas perdre les 5 ballons en essayant de faire. Mm-hmm. Donc à partir du moment que ton bagage technique, les choses simples de foot sont acquis, tu pourras jouer dans n'importe quel poste, mais presque. Presque. Et à partir de là, ça sera l'intelligence du jeu. J'ai dit toujours à des joueurs que j'entraîne qu'il faut regarder ce qui se fait de mieux au haut niveau. Mm-hmm. Quand on regarde un match de foot, on regarde souvent les ballons. On regarde ce que les joueurs vont faire de beau, mais on néglige ce qui se passe aux côtés. Oui. Et à ce moment-là, les joueurs qui jouent dans une telle ou telle place respective, c'est important de regarder et surveiller ce que les joueurs de haut niveau font à ce moment-là de match, au tel moment de la situation. Et ensuite, il faut juste travailler, quand on rentre vraiment dans les spécificités, les travaux analytiques. Un bac droit, il doit être bon défensivement, offensivement, ça veut dire qu'il doit être endurant. Un bac droit, il doit avoir un bon positionnement défensif. Il doit avoir une bonne relance parce qu'au moment de la récupération, il doit être capable de ne pas perdre ses ballons et mettre ses coéquipiers dans une bonne condition. Les backs droits modernes aujourd'hui, ils apportent beaucoup offensivement. Donc la dernière passe, que ce soit au niveau des centres ou que ce soit au niveau du jeu vertical. Donc il y a une série de travail analytique à être effectué. Et La répétition, ça amène à l'excellence. Tout à fait, je suis d'accord. Et une des références mondiales, on peut parler peut-être du Ronaldo. Malheureusement, pas forcément le Ronaldo que tu connais au Brésil, mais le Ronaldo en ce moment. Je crois que c'est un peu la preuve que si on travaille dur et au quotidien. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit pas mal des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. Ouais. On parle de Cristiano parce que c'est le joueur qui a gagné des ballons d'or et qui marque des buts et des buts. Mais quand on regarde Zlatan Ibrahimovic, qu'à l'âge de 40 ans, il est aussi fit qu'à l'âge de 30 ans, voire même plus fit,
ça prouve que j'ai rebondi dans ce que j'ai dit avant, le travail, la constance, le focus. Au fait, il vient d'avoir une blessure très très importante que j'ai connue au niveau des ligaments croisés où tu es out pendant entre 6 et 8 mois. Il y a un club comme AC Milan l'engage, la confiance, il l'engage pour encore une saison. Donc c'est là qu'on... Ok, c'est Zlatan Ibrahimovic, mais s'il n'avait pas cette côté professionnel, cette constance au niveau de son travail... Il serait déjà fini, quoi. Il ne serait pas déjà fini, j'ai envie de dire, mais parce qu'au niveau de son caractère, c'est quelqu'un qui n'allait pas finir sur une mauvaise note, mais très certainement pas poursuivre sa carrière à 40 ans à l'AC Milan, actuel champion d'Italie. Donc, des postes que les plus jeunes convoitent, mais ils n'arrivent pas à avoir parce que c'est Zlatan, quoi. C'est Zlatan, c'est au niveau de la mentalité, c'est... Je suis persuadé que le travail, la constance, les côtés professionnels, il prendra toujours le dessus sur les talents. Mm-hmm. Les talents, on peut faire une excellente saison, voire deux, mais sur les longs, ça tient pas. Et je pense que je suis personne pour le dire, mais quand on voit la carrière que Ronaldinho il a fait, s'il avait un peu la mentalité, cette envie de faire quelque chose de donner plus pour le foot, donner plus pour lui-même par rapport au foot, on parlerait plus de Messi ou c'était Ronaldinho, mais donc on a des exemples aujourd'hui, il faut juste être intelligent et essayer de comprendre les pourquoi de comment. Après attention, tout ce qu'il a fait c'est extraordinaire, mais je pense que pour les jeunes joueurs, pour la nouvelle génération, ce sont des exemples qui sont là, qui c'est pas difficile à pas besoin d'aller étudier ou de chercher. Non, c'est là et la vérité, elle est en face. Dans le travail. Le travail. Ok.